Bonsoir et bienvenue à cette émission. Je suis heureux de vous savoir nombreux en train de nous regarder, de regarder votre émission, votre magazine, l'unique et le seul qui vous procure de la sagesse, de l'intelligence, du savoir. Pour cela, dans ce numéro, un tout nouveau numéro, nous allons parler de leadership. Pour cela, le révérend Désiré Esaïe Bakouma est notre invité, auteur de ce livre qu'il a publié sous le titre « Un travail réussi, clé de leadership ». Bonsoir, Désiré Bakouma. Bonsoir, Monsieur Barbeau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Malgré vos multiples occupations, nous sommes heureux d'être là. C'est moi qui vous remercie. Ok. Un travail réussi, clé de leadership, c'est votre ouvrage que vous venez de publier. Pourquoi avoir titré ce livre ainsi? Oui, merci pour la question. C'est après une observation. Après avoir observé, on a constaté qu'effectivement, les gens qui étaient habiles dans leur travail étaient les personnes qui possédaient un leadership incontestable. C'est cela qui nous a poussé d'écrire les livres pour stimuler notre jeunesse, qui était notre cible, qui est notre cible principale pour ces livres, le pousser effectivement à se donner au travail. C'est pour ça que vous avez même souligné qu'un travail réussi, c'est les clés de leadership. Oui. Et vous parlez de la vision et de la passion dans votre ouvrage. Dans cet ouvrage, vous dites que ça se complète et ils sont liés en même temps. Mais la question est la suivante. Est-ce que parmi les deux éléments, qui est la vision et la passion, est-ce qu'il y a un élément le plus important que l'autre? Oui, en réalité, la vision est plus importante. Vous devez avoir une vision et maintenant la passion, c'est comme un ingrédient qui vient vous aider, vous donner de la force pour poursuivre votre vision. C'est-à-dire la vision est plus importante que la passion. Oui. Parce que la passion, tout le monde en a. Et puis, oui, mais en réalité, les trois, c'est complet. On est tous animés dans cette même idée-là, de faire quelque chose, même si on ne maîtrise pas les méandres, les techniques, mais on s'accroche quand même. Oui, beaucoup déjà sont passionnés pour de futilité. Mm. Ils sont passionnés pour des futilités, sans une vision claire. Mm. Mais lorsqu'on a une vision claire et que la passion s'ajoute, les résultats sont énormes. D'avoir une vision, c'est-à-dire on sait là où on est et puis on a l'idée, de manière générale, de là où on va. Tout à fait. Ben, vous dites aussi que le travail réussi, ça ouvre ou c'est une autoroute pour le leadership, un leadership incontestable. Exactement, nous avions dit là que le travail réussi, c'est la seule autoroute pour un leadership incontestable, dans ce sens que effectivement, il y en a qui héritent du leadership. Mmh. Ils se mettent sur les trônes de leur père, mmh, sans savoir ce que le père a souffert pour conquérir ce trône-là. Mmh. Lui, il vient, il s'y met. Mmh. Et trop souvent, on constate que ce leadership héréditaire, souvent, il ne mène pas à grand-chose. À de bons résultats. Ah, il échoue en cours de route. Il y en a d'autres qui se battent pour ôte-toi pour que je m'y mette. Mm. Il vous enlève de votre trône pour qu'il récupère ça de force. Mm. Mais là aussi, on constate par la suite que la personne ne connaît pas les méandres de ces trônes-là. Mm. Ça va chuter. Mais c'est là les... Mais lorsque quelqu'un a travaillé, a peiné pour monter sur un estrade donné, il y demeura. Et il connaît les secrets pour y arriver. C'est un peu cela. Oui, nous avons comme invité, mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous avons comme invité le révérend Désiré Esaïe Bakouma. Il est auteur de ce travail qu'il a, de ce livre, de cet opus qu'il a titré Un travail à recycler de leadership. C'est avec lui nous parlons de leadership. Nous poursuivons. Révérend, j'aimerais que nous puissions d'abord faire comprendre aux téléspectateurs. Est-ce que le fait d'hériter le siège de la part de son papa ne signifie pas forcément que vous êtes incompétent
pour faire valoir ce que vous avez peut-être appris, vos connaissances. Ce n'est pas ce que vous affirmez, je ne sais pas. Bon, c'est-à-dire là, s'il faut prendre les statistiques, donc la majorité de ceux qui héritent les trônes ne les valorisent pas. Donc il y a un petit nombre qui peuvent hériter et défendre les trônes comme leur père. Ouais, voilà. Et je rappelle que vous avez à réviser et compléter cet ouvrage pour nous rappeler, nous, les humains, que nous sommes ici-bas, soit pour trois choses. Soit c'est pour courir avec une vision, soit pour accomplir une mission, ou alors passionné de quelque chose. Alors, parmi ces trois éléments-là, qu'est-ce que vous préconisez comme étant l'élément... parce qu'on peut avoir l'idée de courir avec une vision. On peut avoir l'idée d'accomplir une mission, mais on est ignorant, tout en étant ignorant. Alors, que faire pour qu'on sache que réellement je suis derrière une vision ou je suis en train d'accomplir une mission? Parce qu'il y a des personnes ignorantes par rapport à ça. Oui, souvent, vous savez, souvent les gens qui accomplissent des grandes choses, parfois de leur vivant, eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils étaient en train de faire de grandes choses. Ou ils courent jusqu'à un certain niveau. Les gens qui les regardent, qui l'observent, voient, non, cet homme est en train de faire des potentiels. Il a un potentiel. Et maintenant, les gens s'approchent. Les gens s'approchent et ces gens-là vous apportent des conseils. Ils vont vous aider à tailler bien votre vision. C'est ce qui arrive. Mais souvent, les gens sont ignorants. À moins qu'il soit quelqu'un qui a appris, qui est un technicien. Mais le commun des mortels, il fait des grandes choses, il a une grande vision, mais il est ignorant. Okay, il travaille dans une vision. Soit il est soutenu seulement par une passion, et il est en train d'accomplir des grandes choses. Et maintenant, il y a des gens qui approchent pour lui amener maintenant les outils de la vision, les outils qui permettent de mener une vision plus loin. Les gens s'approchent. Donc, on peut appeler des conseillers, les fous du roi. Donc, vous affirmez qu'on échoue lorsque vous capitulez, et puis on réussit lorsque on accepte une succession d'échecs. Oui, j'affirme cela dans ce sens qu'effectivement, vous allez remarquer que ceux qui abandonnent ne gagnent jamais, et ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Ah oui. Cela est vérifiable. C'est comme ça que... un premier ministre anglais avait lancé ce mot que la vie, la réussite est une succession d'échecs. Lorsque vous avez échoué encore, vous devenez expert par vos échecs. Et si vous n'abandonnez pas, la réussite est au bout du fil. C'est ça. Donc vous n'êtes pas loin au bout. Vous n'êtes pas loin de la réussite. De la réussite. Mais lorsque vous vous découragez, vous capitulez, effectivement, vous abandonnez la réussite alors qu'elle était peut-être à la portée de main. À quelques doigts. C'est pour ça que vous dites bien que souvenez-vous que vous avez été créé pour réussir. Exactement. On se souviendra toujours qu'on a été créé pour réussir. Oui, Dieu ne pouvait pas nous mettre ici-bas pour devenir des échecs. Non. Si je puis citer des Écritures saintes, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est un projet de paix et de bonheur. Je vais te donner un avenir. C'est ce que Dieu dit à l'homme qu'il a créé. Donc Dieu soutient toujours les personnes qui lui-même avait créé. Exactement. Et vous ne pouvez pas produire des résultats hors du commun par votre travail et rester au bas de l'échelle. Votre ascension dans la vie, dans le leadership, est déterminée par le fruit de votre travail. Là, c'est encore le travail qui refait surface. Il faut faire un travail vraiment pour un beau travail pour émerveiller ou pour convaincre
ce qui vous entoure. Tout à fait. Donc, vous ne, lorsque votre travail commence à faire des vagues tout autour, les résultats de votre travail font de vagues, vous ne pouvez pas rester ignoré. La société de vous chercher à vous connaître. Qui est celui-là? Qui a fait celui-là? Qui est l'auteur de, ce, de cette chose-là? Qui a construit cet immeuble-là? Qui a fait ce, tout ça? Voilà, voilà les résultats. Les résultats de votre travail feront parler de vous, que vous le vouliez ou pas. Quelle que soit votre humilité, vous voulez vous cacher. Non, on cherche à qui a fait cela. Les œuvres vont parler à vos places. Et votre travail vous mènera sur un podium. Un podium de leadership où les gens, effectivement, seront peu nombreux à vous contredire. À vous contredire. Donc, vos œuvres vous parleront voilà, à votre plus place. Plus que votre voix. Voilà. J'aimerais que nous, référent Désiré Esaïe Bakouma, j'aimerais que nous puissions résumer de manière précise et concise le contenu, l'ouvrage, cet opus de près de 120 pages pour ceux qui nous suivent, pour les téléspectateurs. Je voulais quand même mettre les points sur les i, comme on dit. En écrivant l'ouvrage ici, je visais une cible. C'était notre jeunesse. Ayant vu comment notre jeunesse est parfois désorientée, notre jeunesse qui perd la boussole, alors je me suis dit, bon, si Dieu fait grâce et que les gens peuvent tomber sur cet ouvrage, j'ai visé comme cible, premièrement, la jeunesse. Alors là, j'ai mis l'accent sur le travail, aussi dans le travail dans le sens de l'entrepreneuriat. Parce que nous avons remarqué que même nos jeunes qui sont intello en quelque sorte, les étudiants, ils vont aller aux universités, il est tout pauvre, il demande ça et là, il demande alors que Il n'y a personne qui a dit qu'un étudiant ne peut pas avoir des possibilités, de moyens, être même riche. C'est tout simplement l'ignorance. Parce que on nous a répété que attention à l'argent. L'argent est mauvais. Si vous aimez l'argent, vous n'allez pas réussir aux études. Ce sont des messages subliminaux qui sont restés dans notre fort intérieur et qui, effectivement, a fait que la jeunesse, dès que on est écolier, étudiant, on ne touche pas aux affaires. Même les parents vont vous interdire catégoriquement. Non, non, laissez ça de côté, tu vas échouer. Or, dans d'autres mondes, ce n'est pas le cas. Dans le monde anglo-saxon, les affaires, c'est une affaire de famille. Dès le bas âge, vous accompagnez papa à la ferme. Dès le bas âge, vous l'accompagnez au magasin, ainsi de suite. Et vous commencez déjà, il vous rôde. Vous apprenez comment faire les affaires et c'est comme ça que même la plupart des étudiants dans ces pays-là, ils deviennent millionnaires, milliardaires, tout en étant étudiants ou ils abandonnent carrément même l'université. Je peux vous citer les cas de Bill Gates par exemple, c'est un de ceux-là qui ont abandonné l'université et qui est devenu pendant plus de deux décennies le premier milliardaire du monde. Donc voilà. Ils sont entrer dans l'entrepreneuriat. Oui, dans l'entrepreneuriat. Maintenant, parce que vous n'avez pas dit résumé des livres, donc effectivement, c'est pour inciter pas seulement la jeunesse, même le vieux, même le vieux, ils peuvent s'inspirer. Il n'est jamais tard pour bien agir, pour bien faire. Même le vieux, si vous lisez les livres, vous allez voir qu'ils nous ramènent au travail. Donc, les livres nous ramènent au travail. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe. Parce que beaucoup se disent non, je vais entreprendre comment je n'ai pas de moyens. Non, là, les livres, nous avons démontré. Dans les détails, des stratégies. Vous avez plus que l'argent, votre cerveau. Le cerveau. Votre matière grise, c'est plus que l'argent. C'est plus que l'argent. Lorsque vous savez manipuler, vous savez réfléchir, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. En tout cas, merci de nous avoir répondu. Et je pense que le prochain rendez-vous, vous serez encore invité. Je pense que vous allez encore nous dire, vous avez encore à nous dire beaucoup de choses sur le contenu de ce livre, parce que le temps nous est parti. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs, nous poursuivons
Oui, on me signale que nous poursuivons encore, oui. Nous poursuivons encore cette émission avec les mêmes invités. Vraiment, on nous ajoute quelques minutes, c'est très gentil. Je viens maintenant à la page 72. Quand tu viendras, apporte les manteaux que j'ai laissés à Trois Charles Capsule et les livres surtout, et les livres surtout les parchemins. De Timothée 4, 13. Vous êtes aussi révérend. Oui. J'aimerais que nous puissions faire les cinq dernières minutes qui nous restent de toucher un peu ces domaines-là. Oui. Et vous, en tant que révérend, dans ce domaine-là, qu'est-ce que vous avez comme message? Oui, la partie que vous venez de lire là, c'est l'apôtre Paul qui parlait à son fils, je crois, Timothée, quelque chose. Il lui dit, apporte les manteaux, mon habit, j'ai oublié mon habit là-bas, amène-les, mais surtout n'oublie pas les livres. Alors, il y a une anecdote qui s'est répandue. Hein, le belge disait sur les blancs, si tu veux cacher à un noir un grand trésor, mettez-le dans les livres et mettez dans son armoire. Il ne découvrira jamais. Il ne le verra jamais. Donc nous avons ce défaut, je ne sais pas si la race noire en général, de ne pas avoir la culture du livre. Donc, ici, c'est l'apôtre quoi qui parle à son, à son jeune frère, à son disciple. N'oublie pas les livres. Et voilà, parfois nous autres hommes de Dieu, nous n'avons pas de message, et nous pensons que le message devrait seulement venir de l'inspiration du ciel, alors qu'il y a de grands hommes de Dieu qui ont déjà écrit, mais vous ne lisez pas. Et vous allez tarir, vous n'avez pas de prédication, vous n'avez pas de message. Parce que vous ne lisez pas. C'est ce passage pour facilitation ce que l'apôtre Paul lisait beaucoup. C'était un homme qui est un savant, qui lisait beaucoup. Ce n'est pas étonnant qu'il ait écrit pratiquement lui seul toutes les épîtres. Donc, et il dit, quand son leadership a commencé à être reconnu, il dit, j'ai travaillé plus que vous tous. Il dit ça au Pierre. Il avait déjà prédit. Vous étiez vous des apôtres par excellence, mais je n'ai pas vu le Seigneur de mes yeux, mais j'ai travaillé plus que vous tous. Pourquoi? Les livres lui ont permis effectivement d'accomplir un travail énorme. Et quand on a accompli un travail, on peut s'enorgueillir. Il y a risque de s'enorgueillir. Et puis on est tranquille. On est tranquille. Les gens peuvent traiter ça de l'orgueil, mais on doit dire la vérité. En tout cas, c'est un message très capital pour ceux qui nous suivent à partir de chez vous. Vous avez vite compris que pour devenir grand, il faut lire les livres pour se procurer des connaissances, des savoirs. Je pense que le livre est un moyen incontournable. Mesdames et messieurs, vous avez compris avec ou à travers cette émission, le révérend Désiré Esaïe Bakouma qui était notre invité. Merci. Merci. Je pense que ce sera les mots de la fin. Oui. Les mots de la fin. Un petit coucou à la maison. Bon, je remercie ceux qui nous suivent et que Dieu les bénisse. Okay. N'oubliez pas d'acheter les livres. Il est exposé ça et là. Je ne sais pas si vous me permettez de citer quelques endroits. Bon, si ce n'est pas permis. On va nous taxer. Mais au moins, en tout cas. À chercher la librairie. Dans des librairies, vous les trouverez. Vous pouvez même appeler notre l'émission, le numéro est affiché au bas de l'écran. Voilà, le numéro d'émission, il sait comment vous trouvez les livres. Mais il faut passer souvent, hein. Il faut pas que ce soit la dernière fois. Nous passons, ça, c'est dépendant de votre invitation. Parce qu'il y a aussi un petit souci par rapport aux auteurs, ils sont beaucoup plus timides pour passer, par rapport aux autres domaines, disons, par rapport à d'autres acteurs, par rapport à d'autres domaines qui sont un peu mouvementés en faisant ça et là pour faire la promotion de réserve. C'est vraiment un paradoxe. Oui, nous ne manquerons pas de passer chaque fois que l'occasion se présente. Oui, parce que j'ai eu du mal à vous atteindre avec tout ce temps-là. Vous êtes patient, je vous félicite. Merci, c'était l'ambiance. Merci. À Révérend Désiré Esaïe Bakouma, merci. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Je remercie les caméramans Marit Egodo, voilà, c'est lui qui était derrière la caméra aujourd'hui. Et comme toujours, encore et toujours à la réalisation, Moron Jambé, et sans oublier Ludou Motiré à la production. Bonsoir et restez branchés sur CCTV, votre chaîne, le programme continue.
Je vous retrouve prochainement, même heure, même chaîne. Au revoir.